Alors, shalom, soyez bénis. Ben, je suis prophète Joël Crasso, maréchal. Ben, vous connaissez très bien la brigade anti-sorcier. Je suis. Maintenant, je vous donne. Nous sommes aujourd'hui à cette date du dimanche 23 mai 2021. Alors, je vous souhaite une excellente fête de Pâques, et plutôt de la Pentecôte. De la Pentecôte. Voilà, la Pentecôte qui symbolise l'abondance. C'était une fête qui s'est fêtée avant Jésus. Et cette fête-là, c'était la fête de la moisson. Les gens rentraient à Jérusalem pour fêter. Alors, je prie que la main de Dieu soit sur vous et que l'abondance s'accroche à vos vies, à votre destinée, et que à partir de cette vidéo que vous allez écouter, et que la connexion se fasse, et que Hachem, le Dieu des Hébreux, vous bénisse abondamment, qu'il vous ouvre les portes. Si tu n'es pas encore femme, que tu aies un goumin, que Dieu délie, te délie de ce goumin, et qu'il te donne une femme, et puis la femme, un homme, voilà. Et puis vraiment des véritables, parce que le mariage, c'est vraiment quelque chose de très bizarre. Tu peux rentrer dedans, et puis maintenant, après, tu vois ce qui est dedans, c'est dangereux. Voilà, que Dieu vous donne l'âme sœur, une femme de destinée. Parce qu'une femme de destinée va te supporter. Une femme à l'image, n'est-ce pas, de Rebecca, qu'elle est rentrée dans la vie d'Isaac, la cessé de pleurer, sa mère. Et que Dieu te donne aussi, n'est-ce pas, un homme de destinée. Un homme de destinée qui viendra aider. Te faire rentrer pleinement dans la gloire et te donnera la valeur qu'il te faut. Parce que ça, la femme, il faut la valoriser. Mais généralement, c'est la femme qui fait l'homme. Bref, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Je suis Allomé. Maintenant, je vous dis Allomé, Togo. C'est très bien passé mon séjour. Voilà. C'est bien passé mon séjour. Très bien passé. Un séjour de 72 heures, vraiment mouvementé et tout ça. J'étais vraiment privé, privé, privé. C'est pour ça que je n'ai pas voulu dire où j'étais. Justement pas pour ça. Voilà, justement pour ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Justement pour ça. Parce que je suis venu juste en privé. Ben, je tenais à dire merci à Isaac. Je ne dis pas totalement son nom. Ben, Isaac, merci. Hein? De rien, Tu as honoré ton père que je suis. Voilà. c'est également un honneur pour moi. C'est un honneur de voir que vous avez pu arrêter au cours de choses qui se passaient en Guinée pour venir m'apporter tout votre soutien. Je me sens très réconforté et prêt à continuer le combat, à accompagner le combat que vous êtes en train de mener. Merci. Merci aussi pour les couches. Tu m'as aidé à faire mes couches ici en Guinée, et plutôt à Lomé. Il m'a aidé, hein. Il m'a aidé à faire mes courses. J'ai plein de choses que je voulais acheter aussi. Il m'a aidé à faire. Mais j'ai pris que je bénis ta vie. Parce que quand tu honores un père et que le père te bénit, je te bénis. Je bénis ta vie. Et par toi, je bénis toute ta famille. Voilà. Parce que la Bible dit honorer les pères. Les pères, ça veut dire père aussi spirituel. Tu m'as honoré. Il y a eu vraiment un accueil de pointe à l'aéroport de Lomé. Une sécurité. Voilà. Franchement, c'était super. J'ai perdu mes deux parfums. Ils m'ont ramené. Donc, merci au président Faure. Chapeau. Son Excellence président Faure. Franchement, dis à Faure, le président Faure. Il y a quelqu'un qui l'estime. Je ne suis pas dans votre politique de crocolère, là, je ne suis pas dedans. Moi, je ne rentre pas. Moi, je rentre pas dans la politique. Voilà. Moi, je ne rentre pas dans la politique. Parce que la politique est là. Si tu rentres dedans, ce n'est pas bon. Voilà, je tenais à dire merci au président Faure, son Excellence Faure et sa famille, à tout le gouvernement togolais. Et c'est, on se verra plus bientôt. Très bientôt pour la campagne d'évangélisation de Togo. Nous, on arrive. Et heureusement qu'on a des enfants aussi ici, qui on peut compter ici. À Lomé, enfin, il y a des gens ici qui on peut compter ici. Voilà, j'arrive à Bassa. Bassa, c'est bientôt. Dans le nord, on arrive là-bas. Hein? On arrive en Kara, on sera aussi à. Oui, qu'on appelle le Sokora, là-bas? Sokodé. Bassa d'abord, à Kara, Sokodé. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà, donc mon séjour a été très agréable par la grâce de Dieu. Je dis merci au président Faure. Merci. Je sais pourquoi j'ai dit ça. Merci. Donc je ne suis pas dans vos politiques. Je ne suis même pas dedans. Laissez-moi tranquille. Apprécier quelqu'un. Donc moi, je sais pas, comme j'étais en Guinée, j'ai dit, ah, merci au président Alpha Condé. Tout le monde m'insulte. Aïe!
On ne peut plus apprécier. Moi, c'est mon droit d'apprécier. Donc, je ne suis pas dans vos politiques. La Bible même dit d'aimer que de haïr. Donc, moi, je ne fais qu'apprécier. Merci au peuple togolais. Merci à franchement Isaac. Merci. Parce que c'est vrai, tu soutenais le ministère, tu étais là et tout ça. Mais encore, j'ai eu plus encore ton estime. Pour l'amour que tu as pour ton père spirituel que je suis. Et pour l'amour que tu as pour l'œuvre. Il y a plein d'idées que tu m'as apportées et je pars avec beaucoup de choses. Merci de m'avoir aussi aidé pour faire des courses. Alors, je tenais à dire aux gens que franchement, il y a des enfants spirituels. Je tire chapeau au frère Isaac. Je ne rentre pas dans les détails des noms parce que je sais que vous voulez des noms. Non, je ne dis pas. Ben, j'ai des gens, il faut les protéger. Si vous les sorciers, là, quand vous dites le nom des gens, vous cherchez à vouloir les attaquer. Vous ne pouvez pas attaquer. Il y a des gens que vous ne pouvez pas attaquer parce que nous, on les protège. Ouais, ils ont l'onction du Père sur eux. Voilà, il y a des gens comme ça que j'ai sélectionnés dans le monde entier, dans chaque pays. On a des enfants spirituels comme ça. Heureusement qu'ils sont dans l'ombre et qu'ils prient pour nous. Alors, je tenais à dire chapeau. Nous avons les Zooms. Les Zooms, si vous voulez être en contact avec moi dans le privé, on a un Zoom privé. C'est tous les 2h30 du matin, heure de l'Afrique. Et nous avons tous les vendredis à 1h30 les veilles de prière dans le Zoom. C'est 00337-57-30-87-87-48. Je reprends 00337-55-30-87-48. C'est un dit, on veut participer au Zoom. C'est un Zoom privé, tout s'est fait privé. Il y a des enseignements de pointe sur l'aurore et tout ça, sur beaucoup de choses, comment percer les mystères, tout ça, comment devenir grand, comment te positionner dans la grandeur, comment avoir l'argent, comment les portes, voilà. Alors, je bénis la ville et le pays du Togo. Tout compte fait, j'ai fait ce que je pouvais faire. Voilà, je suis sorti une nuit, j'ai parlé à la tête du Togo. Il y a des gens comme moi, quand ils rentrent dans une nation, tous les esprits s'inclinent. Donc, j'ai pu renverser les esprits qu'il fallait. Je bénis le peuple togolais à partir de ses frères et mes enfants spirituels. Et que Dieu vous bénisse. Ankwe kaka. Ankwe kaka. Ankwe kaka. Ankwe kaka.